Je vous présente le film des animateurs 91 avec Oliver dans mon bureau, Phil dans mon bureau, Olivier dans mon bureau, JC dans mon bureau, Manu dans mon bureau, Stéphane dans mon bureau, Pablo dans mon bureau, Petit dans mon bureau, Einstein dans mon bureau, Gabo dans mon bureau, Gabo dans mon bureau. Blocage. Je la connais pas, elle. Laure dans mon bureau. Voilà. Sylvie dans mon bureau. Je m'appelle plus de son prénom. Valérie dans mon bureau. Toi, tu passes à côté. Alors, lui, c'est Yann. Stéphane. Stéphane, dans mon bureau dans 5 minutes. Toilette. Laurent dans les chiottes. Je vous présente le plus grand footballeur du siècle. C'est moi, ouais. Avec son frangin qui ont fait le saut de main, d'accord. Ok, ici, on rigole pas, quoi. Tu jeûnes pas, toi. Ok, ici, on n'est pas là pour rigoler. Vous arrêtez, hein. Et vous descendez tous dans le plus vite. Allez, allez. Voilà, 15 minutes d'apnée pure. Ok, 14 minutes, vous pouvez remonter là maintenant. Vous remontez là, fond durable. Ok, c'était bien les 14 minutes. Ouais, pas trop dur. Hein. On change d'exercice. M'écoutez parce que je répéterai qu'une fois, quoi. D'accord. Alors ne nage pas. Ok, vous allez passer par le premier hublot, sortir par le deuxième, rentrer par le troisième, passer par à travers une maille du grillage, d'accord. Ok, on ne rit pas, on ne nage pas. Comment tu sors de l'eau, d'accord. Ok, vous prendrez le module qui est large, je répète, il y en a qui n'ont pas écouté. J'ai dit le module entre les dents, d'accord. On passe à travers le cinquième hublot qui est au fond à gauche là-bas, d'accord. On regarde son voisin, on lui tend le module et on lui enfonce dans le ventre. D'accord, je veux que ça saigne. Ok, c'est compris? J'ai pas compris. Ok, tu passes dans mon bureau dans 5 minutes, ok? Dépêche-toi, allez, tu sors de l'eau là. Dépêche-toi. Tiens. Alors, c'est tes enfoirés. Je vais te prendre le livre. Voilà. Bon, toi. Hé, suivant. Mon de là. Et moi, je vais voir François, je dis, hein, sérieux. Il faut plus qu'on lui file le bassin, Erwan. Hein. C'est fini, regarde, quatrième mission qui nous décime. Alors, et on a vu tout à l'heure des mecs qui flottaient. Et comment, Erwan? Allez, génial, je vous ai fait. Ouais, c'est mieux. Concentre-toi aussi.
Alors après une étude sur plusieurs milliers de sujets, 7724 exactement, et plusieurs années d'études psychologiques et parapsychologiques, je crois que nous sommes enfin arrivés à mettre au point ici au Space Camp une méthode pédagogique de façon à ce que tous les jeunes comprennent. Ok, donc maintenant on va attaquer une animation sur MétéoSat. Pour voir MétéoSat, il fait comme vous, il fait quoi? Il ouvre quoi? Il commence par les paupières, effectivement, il commence par les paupières, donc on commence ici, paupières, d'accord? Ensuite, pour voir, il fait quoi? Il dilate là, pupille, excellent, ok, pupille ici, d'accord? Et puis, vas-y, c'est quand tu veux que tu arrêtes. Les yeux, il va pouvoir maintenant commencer à voir. Alors, voir comment? Tout simplement en faisant travailler la pupille. Alors, je remets une autre petite croix à côté de pupille et je ressouligne. Et après cet effort surhumain qui est particulièrement difficile sur certaines attitudes, comme par exemple en Corse, il y en a deux qui suivent. Donc ici, une fois qu'on a des pupilles, arrive des petits photons. Alors, ces petits photons, le soleil, il fait chaud, il fait beau. On voit ici actuellement un superbe éclairement de soleil. Et le satellite, qui est toujours à 50, continue son petit bonhomme de chemin. Notre petite planète et notre petite orbite ici. Et notre petit satellite arrive ici au périgée, à son apogée. Apogée de sa carrière extraordinaire, où il a pu se balader pendant des milliers et des milliers de kilomètres. Procéder à l'élimination de l'angle phi par rapport au sonoline alpha, qui lui-même suit la côte angelin. Je comprends pas parce que d'habitude il reste. Je comprends pas, d'habitude pourtant ça marche. C'est tout, je suis bon maintenant. J'arrête. Sur le tir de lancement des micro-fusées. Celle-ci est justement un prototype expérimental dont on ne connaît pas encore les résultats. Nous avons essayé et analysé ces courbes sur ordinateur. Il semblerait que le moteur soit assez puissant pour faire une trajectoire assez particulière. Cependant, nous ne pouvons pas connaître les résultats. Il s'agit donc d'une micro-fusée de la société NSN, Numa Zilba & Nye Production, qui s'appelle Proto 4. Son principe de sortie latérale des parachutes devrait permettre un système d'aérofrein en cas d'emballage. Merde, con. En cas de problème de la fusée, de l'arrêter assez rapidement. Cependant, je fais partie de l'UAET 91, c'est-à-dire l'entraînement physique, et je pense que s'il y a un problème, je cours après, je vais la rattraper, donc on ne risque rien. Ok, c'est bon. On procède au lancement. Alors on va y aller. 5, 4, 3, 2, 1, go! Putain, merde, elle est trop puissante! Elle est pas le moteur qu'on a mis, merde, on est mal d'arrêt! Elle va dans le bassin! Putain, voilà, elle est au bassin! Elle est dans l'eau, c'est ça! Je l'ai eu! L'entraînement physique, heureusement qu'on court vite. Groupe d'intervention générale contre le néant. Caroline, suivi d'Ia Capote. Bénédicte, la mythe. Lors de sa conception, le GIGN voulut mettre en place une équipe active, performante, entraînée selon une rigueur mettant en évidence les qualités physiques et constructives de ses membres. Son objectif est de lutter contre la propagande naissante au sein de la communauté spatienne qui croit que rien n'existe, sorti de leur berceau terrestre. Groupe d'intervention générale contre le néant. Thank you.
planteuse de grands fruits. Notre objectif final a été atteint. La communauté spatiale loge en dans ces lieux. Fais chier maintenant. Oh, fais chier. À la bouffe. Allez. Mais ça, on Alors moi, c'est Pierre. Je suis un synthétiseur vivant, ok? Je peux prendre plusieurs tonalités. Par exemple, je peux aller très bien, très bas dans les graves, comme je peux monter très haut dans les aigus, là, vous voyez, hein? Je peux aussi faire plusieurs sons, tels que la machine. Hop, maintenant un peu de mine. Hop. Ok. Ok. Quel est le spatien qui a oublié son carnet de bord ici? Hein? Est-ce que vous allez me dire? Bon. Oh, c'est qui le spatien qui a oublié son carnet de bord ici? Bon, vous allez me le dire? Je suis aussi chargé de... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un stylo, attends. Un stylo, ben voilà. Allez, hop, tu me fais plus chier avec ça. Bon, quoi, les clés 455, ben je vous les ai données tout à l'heure. Putain, merde, tiens, 455. Quoi, il en faut une autre? Ben regarde, tiens, tu la prends, allez, ciao, Robert. Bon, maintenant, je vais vous montrer pourquoi on m'appelle Blackbird. C'est pas mal, non? Passe à autre chose? Ok? Allez. Il est 22h30. Alors vous allez pouvoir assister à un coucher en direct du centre de permanence. Erwan, moi-même, Estelle et Laure. Nous allons passer en infrarouge car il fait beaucoup trop sombre. Ziva! Allez, c'est parti! Ziva! Ok, c'est bon, tout à l'heure, calme. Ah, tiens, c'est tout, Maxi. Là Salut, je m'appelle Gérald. Je vous explique ma venue ici, hein, je suis venu m'entraîner. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une semaine, ça fait depuis longtemps que je m'entraîne. J'ai fait un test d'astronaute, ils n'ont pas voulu me prendre. Bon, une chose est sûre, c'est que les jurys sont plantés. Hein. Je suis venu ici pour montrer que j'étais le meilleur. Vous m'entendez bien là? Ouais. Je suis venu ici pour montrer que j'étais le meilleur. Vous allez voir ce que je suis capable de faire, des temps records de toute façon, des temps records et puis des figures exceptionnelles. Hein, donc je suis le meilleur et je tiens à le prouver aujourd'hui. Merci. Motivé, hein? Ouais, j'ai pas de problème. Motivé. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Motivé, hein, Gérald, motivé.
peux y arriver, tu peux. Plus qu'un quart d'heure. Tu dois y arriver, Gérald, tu dois y arriver. Motive-toi. Mental, que du mental, Gérald. Facile, hein, je suis transpiré un peu, je veux dire, si t'as que ça à me proposer, c'est un peu juste. Hein. Facile, hein. Record battu, record à battre. Ok, moi je m'appelle Baudouin, je suis Charlie de l'Astro ici, d'accord? Alors on m'appelle Papote, on m'appelle Baudouin, et même Monsieur Baudouin. J'étais un voyou, maintenant je suis animateur, spécialement Patrick Hanson, le Baudrey. C'est avec quelqu'un qui rentre. On a un rêve. Aujourd'hui, planétaire. Nous sommes ici dans le planétaire. Et c'est fini de rire pour vous. Vous allez en chier avec les astros. Parce qu'ici, vous êtes là pour en chier. Vous avez payé pour en chier. D'accord? Je suis d'accord avec ce que dit mon collègue. Je confirme. Ok, alors lui, il commence à me chauffer, quoi. Hein. Ça fait trois fois que tu me suis, j'en ai marre, quoi. Hein. J'en ai marre. Ok, alors tu recommences ça, t'es mort, d'accord? Poséidon, tu connais? Salut. Oui. Ok, t'as pas envie de te balader comme ça? Hein? Regarde-moi avec cette casquette, des lunettes, là. Ok, d'accord? Mercure, ça carbure. Ça super, mon frère.
mardi. C'était bon. Mercredi. Ça me gratte. C'est bizarre. Putain, le bouton, merde, c'est bizarre. C'est dingue. Jeudi. C'est la crêpe au crabe. C'est la crêpe au crabe. Vendredi. Putain, aujourd'hui, il y avait du rat. Tu m'étonnes, putain, c'était bon. Ça, c'est la mousse au canard frisé, ça. Je crois que c'est... Samedi. Putain, t'as vu, il a l'air malade. Il fait des bulles. Putain, c'est... Tu vois, la salade de fruits qui est rebasée. Ouais, elle était congelée encore. Elle était congelée, la salade de fruits. Faites gaffe. Dimanche. Mercure. Ce cœur meurt. C'est génial. Alors, petite bébête, on vient de faire la révision de 5000, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, en faisant le réflexe, aïe. Oui, oui. En faisant le réflexe, oui. J'ai reçu un plein genou dans la tête, aïe. Ah bah, elle est belle, l'infirmière du Space Camp, hein? Aïe. Oh là là, ah là. Justement qu'elle a mangé ce qu'il y avait sur le plateau et puis ça va c'est fini qu'il y a rien pour l'achever un autre plateau tiens je t'ai apporté un autre plateau mercure là. Mercure ça carbure. Salut les animateurs au 1er juillet. Et on va déjeuner? Mais tu rigoles, il est 4h. Eh ben, on a qu'à aller faire un petit footing. Allez, on y va. Oh là là, j'ai eu que 8 heures d'activité aujourd'hui. Je dépends d'énergie, je fais pas. Eh ben, on a qu'à aller faire un sport test. Qu'est-ce que t'en penses? Génial. Ouais, c'est bon, on y va. Un sport test. Allez, on y va. Demain, l'épreuve débutera au prochain signal sonore. C'est-à-dire dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, c'est parti. C'est super. Allez, demain jusqu'en 30. Ok. Pas de problème. Demain on fait le palier 30, on avait la forme. Et on va au bassin maintenant. Allez. On va y aller. 1 et demi. Les animateurs au 31 juillet.
peux déjeuner ? Ah mais non, c'est trop tard, c'est 9h15 déjà. Putain, je suis même pas coiffée, je suis ravie. Est différent selon les personnes. Plus vous êtes en forme, plus l'épreuve dure longtemps. En résumé, il s'agit d'une épreuve continue, progressive et maximale, c'est-à-dire facile au début, puis de plus en plus difficile vers la fin. Bonne chance. Continuez de marcher ou de courir lentement jusqu'à ce que vous ayez récupéré complètement. L'épreuve débutera au prochain signal sonore, c'est-à-dire dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Voici les perspectives européennes pour le Space Camp. Sabes lo que os digo, Oliver y Patricia? Sabes lo que os digo? Nein, damit kann ich nicht übereinstimmen. Das ist nicht der Punkt. No, no, I can't stand this anymore. I'm sick and tired of hearing you talking all the time. Sabes lo que os digo? Tú que estás ahí. Nein, auf keinen Fall. Wir haben diesen Punkt. Wir reden über diesen Punkt. No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. Ninguno de los dos. No les comprendo. ¿Qué es esta comunicación? Das ist vollkommener Schwachsinn. Wir können darüber.